Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, Fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Il voulait me damer le pion, mais il n'a point réussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit peu d'explorer. On alterne entre le standard et l'explorer, entre le plaisir et l'ivresse, oui. Quelque part. Mais quel est le plaisir, quelle est l'ivresse? Dites-nous dans les commentaires. C'est à vous de nous dire, mais je pense que dans tous les cas, plaisir ou ivresse, la sensation est quand même récréative. Les deux se confondent un peu. Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai que des fois, l'ivresse se transforme en plaisir. Ouais. Par contre, le plaisir, rarement en ivresse. Oh, si, je suis ivre de plaisir. Ouais, okay. Mais il faut vraiment être super content. Il faut vraiment être très heureux. Content. Du coup, on se retrouve pour Mono Vert Ramp en Explorer, à l'instar un petit peu du deck qui est joué en Pionnier. De quoi? Comme à l'époque. Ah, ok, je comprenais pas ce que tu avais dit. Comment ça? Je crois que tu avais dit tard l'époque, quoi, comme les jeunes. Ouais, c'est ça, j'ai dit tard l'époque. Et j'ai traduit pour toi. On sait jamais. Mais elle est excellente, cette vidéo, déjà. Oh, le jeunisme. Tu es un jeuniste, si tu fais du jeunisme? J'espère. Ok. J'espère. Et du coup, ça m'a trop choqué que tu dises ça, quoi. Et du coup, ouais, la seule différence qu'on a avec ce deck-là, c'est qu'on n'a pas le fameux Nyctos qu'on essaye de compenser de manière un peu... Ça manque, hein. Un peu nullos avec ce château de Garenbrig. Ça fait pas pareil. Mais globalement... Non, ça fait pas pareil. Mais globalement, le reste du gameplay est le même. Ouais. Et franchement, en termes de fast mana, le deck s'en sort quand même très très bien, sans avoir besoin de Nyctos. L'avantage, c'est que Nyctos, c'est pas non plus dégénéré, comme l'entre dans ce truc-là, parce que ce qu'on veut caster, le plus cher, c'est 6. Ouais, c'est bon, ça. Sauf en flashback, mais la plupart du temps... Ça te permet de faire beaucoup de fast mana, c'est-à-dire que Karn, tu vas directement prendre un truc que tu vas jouer directement. Là, on va passer peut-être en deux temps pour pouvoir caster nos gros payoffs. Ouais, c'est ça. Mais ça reste un deck qui est fonctionnel. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ça sur le ladder. PL, il adore l'archétype de base, donc voilà, on voulait vous présenter ça. Je me tâte à le monter en pionnier, mais il faut acheter les petits Karn, les petits Nyctos, et... Ouais, c'est pas 2 euros. C'est... Ouais, c'est pas... Ouais, c'est quand même une petite centaine d'euros, hein, 4 Nyctos. Hein, donc, 4 Nyctos, c'est 25 euros le Nyctos? À peu près. Donc ça fait ça chiffre vite, quoi. Oui, ça chiffrote. Ça chiffrote un peu. Pouxbleu, anticipation de confiance, ça fait plaisir. Merci au sponsor Play My Magic Bazaar, code VPL 2022 sur la boutique. 50% de points fidélité pour vous et ça nous soutient qu'on utilise. Donc merci à tous. Et lien d'affilié Instant Gaming, pardon, dans la description. Ça nous soutient aussi quand vous passez par là et vous payez jeu pas cher sur Instant Gaming. Donc pourquoi pas, quoi. Faites-vous plaisir cet été. Ça nous aide en plus. Qu'est-ce que c'est le but du propos? Donc on voit Karn qui trône au milieu là. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire, Karn? Il va chercher les trucs. Karn, il va disrupt les jeux artefacts et ça marche très très bien, notamment dans le méta Pionnier et Explorer, parce qu'on sait que Grisfang, c'est des decks qui sont assez représentés. S'il y a des synergies artefacts, bah, ça les disrupt naturellement. Le plus 1, il permet d'animer un artefact. Donc de notre côté, ça sera assez peu relevant. Par contre, ça peut détruire les clous, les trésors ou les foot de votre adversaire, vu qu'elles n'ont pas de CCM. Et ça, c'est plutôt intéressant. Intéressant. Le moins 2, par contre, va permettre d'aller chercher une carte dans votre side. C'est une espèce de toolbox. Et donc du coup voilà, vous allez pouvoir chercher du Grand Chrome Leg, du Chaudron des Ica, du Chaudron Pestilentiel pour avoir l'effet Explosion Restauratrice. C'est le petit trick de la carte. Vu que c'est un artefact, on va pouvoir aller chercher théoriquement un rituel avec Karn, une Ombre Lance, un Corbeil Illicite. En fait, selon ce qui se passe dans votre game, vous allez aller chercher la carte qui aura le meilleur effet dans la situation donnée. Et à côté de ce magnifique Karn va trôner toute une stratégie rampe avec beaucoup d'early game et d'accélération. On va prendre donc du coup tout ce qui est Piétineur, Elf, Druide et Havre de Sol Loup pour accélérer notre deck. La Cura qui va aussi accélérer notre deck, notamment quand on a Havre de Sol Loup en land, on le détape, ça permet donc du coup de refaire beaucoup de mana. Ensuite on a le troll primaire qui va bien tenir le board, et ensuite on a ce qu'on appelle les payoff, donc l'Anissa, l'Ancêtre Gargaroth, le Cavalier d'Épines qui est un payoff plus de la rampe et l'assaut du festival pour faire venir tous les copains d'un coup, tout simplement. Quelques landes utilitaires, on a le cataracte iridescente pour notre ami Golos qu'on va pouvoir aller chercher dans le side grâce à Karn. Et puis à côté de ça, on a des bronlandes, on a les enclaves qui permettent de piocher, Château de Garenbrig qui permet d'accélérer, le petit Bozéjou et le repère de lead pour bourrer et pour gérer des fables typiquement. C'est ça, et si vous demandez pourquoi il y a un tombeau luxuriant, parce que ça coûte pas cher et qu'on, du coup on peut jouer le Chaudron Pestilentiel potentiellement, qui est tout à fait jouable dans le deck d'ailleurs, c'est juste que c'est pas la cible du tout, mais ouais. Ça se fait. Ah d'accord. Le drap se barre. Est-ce que t'as touché un truc? Pas du tout. Donc le drap a décidé de se casser la gueule en plein tournage. Ouais, en fait, PL, il a un drap blanc pour que ses lights se reflètent dans un mur blanc parce que son mur de base n'est pas blanc. Et le drap se barre. Mais le drap se barre. Mais il est tenu par quoi à la base? C'est notre ancien fond vert? Ouais, exactement. Ok, d'accord. Mais genre là, il est tombé. Ça fait genre des années qu'il est, qu'il bouge pas. On peut pas vous filmer ça, mais vraiment, il vient de s'animer tout seul. C'est fou. Bref, vous avez compris le but du propos. Il y a 2 Hydrovoras contre les jeux aggro et ciao. Ah ouais, vite. Voilà. Passe, là, moi j'ai envie de voir les gars. Ce qui est bien, c'est que tu side très vite avec ce deck-là, parce que tu ne side pas. Il y a plein de cartes que tu ne dois pas toucher. Voilà, c'est ça. Vous demandez des fois, ouais, mais j'ai l'impression que c'est plus simple de la mettre dans mon deck pour la piocher, jamais. Vous avez 4 cartes qui va la chercher, c'est tout. C'est-à-dire 4 exemplaires de la carte que vous voudriez potentiellement mettre dans votre deck, c'est pas ouf.
Et si vous dites, ouais, mais la carte, je la veux absolument jouer tour 1 ou tour 2 dans le match-up, etc. Même, en fait, ça sera perdu dans 60 cartes. Donc, en fait, vous avez. C'est compliqué, quoi. Au final, si vous ne l'avez pas justement dans votre main de départ ou dans les deux premiers tours, bah, vous l'aurez juste beaucoup moins souvent. C'est une bonne main, ça. Ça va. Bah, c'est un mulligan, après, mais bon. Malheureusement. Ah ouais, un mulligan. Sonder the Secret. Ok, une carte de merde, du coup. Alors, j'ai vu que c'était parmi, sur le ladder, hein, parmi les top decks. En Explorer ? Ouais. Ouais. En termes de résultats. Je suis très étonné. Sur le ladder, alors. J'ai vu ça, ouais. Est-ce que c'est les résultats de BO1 de Untapped ? Je ne sais pas. Ouais, moi je pense que oui. Mais ça doit être ça. Donc, du coup, c'est pas les résultats vraiment. C'est pas des résultats très fiables, en fait. Du coup. Mm. Là, on commence par Havre parce qu'on a la cure en main. Ouais, bah, ça nous permet surtout de pas se prendre une bolt quand on aura tapé notre druidesse de paradis, quoi. Oui. Un petit choc, quoi. Il y a quand même réussi à transformer son aberration insectoïde. Il est fort. Ah ouais, c'est pas une obligation, quoi. Non, non. Pas au tour 1. Voilà, tu peux détaper ta forêt, faire un petit havre sur le tombeau luxurien. Et on est quand même pas mal en mana, même si on aurait aimé piocher. Ouais, après on fait l'assaut du festival le tour d'après. Mm. Si jamais on trouve notre 5-6 porté, il passera plus jamais. Et surtout, il le gérera plus jamais. Ouais. Voilà, faut par contre qu'il ait pas trop d'interaction. Il ait 0 points de dégâts. Et pas de 2 sorts. Sinon, il tuera. Pourquoi ? Ah oui. Un sort. C'est plutôt des. Comment ça s'appelle ? Des contre-sorts, moi, qui me faisaient un peu peur. Aussi, mais je pense que là, il va un peu se commit, voilà, pour. Pour aller chercher Kiora. Enfin, ce commit, il peut avoir encore un spell pierce. Hein, il rentre beaucoup de points de dégâts, il y a un monde où il va pas la chercher. Ok, il va. Bon, c'était entendable de pas le faire, mais. Tu castes quand même à l'assaut du festival tour d'après. Ouais, vas-y. Whatever, donc autant mettre un. Entre guillemets, un bloqueur, même si ça bloquera pas ça. Ça bloquera à minima ça, quoi. C'est bien le gîte, hein. Ouais, bah. Bonne, hein. Oui, c'est pas mal. Après, théoriquement, on est censé s'en foutre, on a 4 cavaliers d'épines. Ouais. Avant que ça passe un cavalier d'épines, tu peux te lever tôt. Malheureusement. C'est pas si loin maintenant. Bah, c'est pas si loin, mais si on a vu le cavalier d'épines avant. Ah, si on l'avait plutôt. Plutôt tranquille, quoi. Ouais. Et on est bien. Oh, ouais. Comment il l'a retourné à la main comme un grand? Ah ouais, carte du dessus, c'est la bonne. D'accord, bien joué. Et combien de landes dans le deck? Je suppose 15. Ok. Ah, il nous aide avec le mana. Un yellow. Ouh là là. Ce sont de nombreux points de dommage. Il est quand même très bon. Hein. On bloque, hein. Bah, si jamais. À ton choix. 3 PV, c'est très peu. Cet assaut du festival doit être dantesque. Bah, il fera pareil, il fera rien. Je vois pas ce que assaut peut nous permettre de trouver qui nous ferait gagner. Si tu fais assaut sur. Double cavalier, on est quand même mort. Cavalier, Nissa. Ok, let's go! Bon bah des fois hein, c'est la vie. Ah mais là en fait c'est la confirmation qui te dit non mais t'inquiète. Après la sortie du type excusez-moi. La game elle était morte. Excusez-moi la sortie du type. Il y a un moment ça va 2 minutes quoi. Ouais. Non mais il était très fort. Ouais. En fait tu vois où ils sont forts quand tour 1 ils font Delver et qu'ils le retournent à la main comme un grand. Et tour 2 c'est bon je le retourne. Genre si t'as pas plus de 80% de chance de le flipper, ce qui n'arrive qu'en Legacy. Delver, c'est une mauvaise carte, on joue même pas en moderne, quoi. On joue plus, ouais. Franchement, ça a été peu joué. Hein. Même quand ça a, ça a été joué, peu joué. Ouais, ça a jamais été non plus très dominant en moderne, quoi. Ouais, ça a toujours été une carte de leg. Ouais. Bonne carte. Là, c'est une carte de brainstorm, quoi. Ouais. Si t'as pas brainstorm, c'est de suite plus dur. Est-ce qu'un brainstorm arrivera en moderne un jour? Jamais. Jamais, je pense. Jamais. Avec les fetch, c'est cool. Ouais, mais dans ce cas, tu donnes plus aucune raison. C'est-à-dire que tous les pauvres gens qui, comme des anciens combattants, jouent encore en Legacy. Ouais. Si tu mets Brainstorm en moderne, il leur reste quoi comme avantage? Il reste Force of Will. Ouais, mais est-ce que les gens ils jouent au Legacy pour Force of Will? Moi, je crois qu'ils jouent au Legacy pour Brainstorm, justement. Ils jouent au Legacy pour Brainstorm Fetch, ce côté chauffeur de bibliothèque, régularité des sorties, petits tricks que tu mets en. Enfin, genre, c'est vraiment la carte qui est l'emblème du Legacy. Et si franchement tu le passes en moderne, je pense que le Legacy die.
Ouais. Enfin, ok, t'as des mecs qui jouent Doomsday, vont continuer à jouer en Legacy, mais. Ouais, non, quand je pense tu que la saveur à... particulière du Legacy, c'est Brainstorm pour Ah moi. ouais. C'est les patterns de play qui sont intéressants. C'est les pattes. Donc, j'y crois pas trop. Genre, ça pourrait, mais ça mettrait vraiment un gros coup, lag. Bah, ce serait un gros message, quoi. Ouais, c'est bon, allez, Genre, venez. allez. C'est bon, on Allez, arrête, là. Il vaut rangez vos combien ton jouets. deck? Allez. On fait la même chose de notre côté, donc venez. Putain, Perry. Putain, Perry. C'est le... C'est un Hobbit. Ah, j'aime bien, ça me fait rire. Ça marche 4 pas mana. Très bien, Tu mais... veux trigger des déchiqueteur ou pas? Ouais. Est-ce que je m'en fous de ce déchiqueteur, non? J'ai un cavalier d'épines, là. Je mets tout, là. Hein. Vas-y. L'avantage, c'est que si tu le trigger pas, tu fais juste piétineur. Et du coup, il te tue pas ta druidesse. Ouais. Je crois que je ferai juste piétineur, là, Ok. tranquille. Ok. De toute façon, on sait qu'on part sur un énorme cavalier. Ouais. Parce que tu vois, si jamais tu tapes la druidesse et qu'il fait je tue l'elfe, je tue la Ouais, druidesse, si tu les deux. t'es Après, très très déçu. s'il a tout. Ah, on a vu game 1. Hein. Tandis que là, tu vas faire cavalier, il va faire. Oui. Ça marche mieux si c'était deux frères, putain, Perry. Ah ouais? En fait, qu'un seul hobbit. Et puis pas un Emery, quoi. Ah oui, mais moi j'ai dit oui, parce que pour moi c'était oui, c'est le Mais fameux Hobbit. moi aussi, mais. Oui, c'est le Hobbit Pipin Merry. Ouais. Et non. Non, non, non. Ils sont deux. Ce ne sont pas des êtres bicéphales comme nous. Je pense à Gollum d'ailleurs, qui est agonisant, parce qu'il se fait torturer, il dit la comté saké. Et les mecs se disent putain, on va à la comté. Il y a un type, il s'appelle Saké, c'est lui qui a l'anneau. Oh, le Et ils con. se sont juste basés là-dessus. Bah, Donc c'est il vrai. pouvait dire de la merde, Gollum. La comté, Mais non. Saké. Il aurait pu dire le Mordor Sauron. Voilà. Il dit, bah non. Bah, je vais juste fighter son déchiqueteur. En vrai, c'est encore mieux que cavalier, je crois. Cavalier, c'était bien, mais bon. 4, Tu peux le 5. tuer, là? Ah ouais. Comment tu le tues? Bah, quand elle arrive en Tu mets jeu. 4 marqueurs. Ah ouais, tu mets 4 marqueurs, ouais. On est d'accord. Ouais, et utilise le château de Garmbrick, d'ailleurs. Tu mets un marqueur de plus. J'ai cru que je savais plus compter quand. Ou encore mieux, utilise le château et juste fais 4-4. Ouais, et je vais faire l'elfe de la noire avec ma druidesse. Ouais. Pemang. Paiement Toto. Après, je peux aussi faire un 8-9. Bon, on va juste s'embêter. On va être des c'est gens. L'idée était très sexy. Hein. On va être des gens civilisés. Pff, rien à foutre. J'ai vu que t'en avais rien à foutre. Rien à foutre. Il fallait le prévenir, Perry. On s'en foutait. Dracon. Oui, il est gros celui-là. Rien à foutre aussi. Zubida. Hop. Oui, il t'offre un petit mal à vert. Ça régale ça. Et du coup, tu peux jouer ton. Ton Touloru. 1, 2, 3, il manque 7. Un mana. Ouais. Bah, c'est un beau board, dis-moi. Oh, le beau board. Commandant Boboard, un mec sur un Discord. Ouais. Le roi du moderne. Qu'on salue. Décrypteur de format. C'est bien. Oui. Si vous voulez vous mettre en moderne, il a fait un énorme trade sur notre Discord. Sur le Discord, ouais. Donc pour savoir un peu l'état actuel du moderne. Très intéressant. Ce qui était bien, le niveau de difficulté de prise en main, ce qui est considéré comme tier 1, tier 2, tier 3, tier 1000. L'avantage du moderne, c'est qu'un tier 1000, ça peut battre un tier 1, ça dépend le tier 1000. Bon, standard aussi, hein. Ah, c'est plus dur. Tout brou personnel est un tier 1000. Un tier 1000 du standard. Moi, j'ai beaucoup tier 1000 en standard, hein, et je passais mythique tous les mois. Toi, tu fais plus des tiers alternatifs. Oui, mais ça reste des tiers 1000, tu vois. Parce que les vrais tiers 1000 de standard. Mais... j'en ai joué un de tier 1000 de standard en moderne. Ouais. Et je te dis qu'il gagnait pas beaucoup de games. Il Après, battait de si tu quoi, me dis qu'un tier 1000, c'est un mauvais deck, non, j'essaye de pas faire des mauvais decks. Ah, ouais. Et putain, j'ai envie de tout caster là, putain! Tu peux assaut? Non, je peux pas assaut. 3, 4, 5, 6, 7. Il me manque un mana. Merde. Écoute, il en on va juste pas s'emmerder. Hein. Il en manque 3? Ouais. 6, château, 7, 8, ça marche pas 9. Pour l'assaut. Ah putain, ça marche pas pour l'assaut, non. Ok, 9. Ouais, donc je croyais qu'il manquait un mana, donc il en manque 2 du coup. Minus 2. Qu'est-ce qu'il fait chier lui? Il bat ça? Non. Chromelec, ça l'emmerde. Chromelec, c'est bien. Golo, c'est bien aussi.
En Cromlech? Bah avec Cromlech, en vrai, là, j'ai rien à jouer qui trigger Cromlech, quoi. Sinon, statue du dieu pharaon, ça l'emmerde très fort. Genre très très fort. Chaque adversaire. Ouais. Ah, Ok. vraiment, son deck est détruit par ça. Ouais, mais ça gère pas son board, quoi. Non, mais on peut pas gérer son board avec nos Arthos. Non, mais tu sais qu'avec Grand Cromlech, il reviendra jamais, quoi. Ça dépend, si tu trouves pas de Tu créature, préfères tu Dieu, gagnes juste toi? de paix. Ouais, franchement, statue, ça le déboîte, hein. 3 mana. Ou souverain, si tu veux tuer un truc, mais bon. Ok, non, T'auras mais du je vais te mal. faire confiance. Je crois que j'aurais pris Cromlech, moi. Tu peux attaquer, contrôle. Je crois que j'aurais pris Cromlech, mais bon, de toute façon, c'est pas un mauvais pick, hein, statue. Bah quand il a que des spells à 1 et 2, bah il va pas en caster beaucoup quoi. Non, non, c'est sûr. C'est sûr, mais tu vois, comme il arrive, il a déjà peut-être plus trop de mains. Je sais pas trop. Ah c'est dommage qu'il ait trigger en pile. Enfin, c'est normal mais. Ça aurait été mieux de piocher deux avant. Faire deux boules conives. Je vais pas le plaindre. Ouais, le plains pas, s'il te plaît. Avec Bah, ce qu'il nous a fait game une. il sait qu'il y a la statue qui arrive et il fait bon. Bon. Après, s'il gère cavalier, genre Boons cavalier, on n'est pas bien. Hein. Ouais, on est pas loin d'être mort même. Non. C'est pour ça peut-être qu'il fallait prendre un truc qui va vraiment carry la game, tu vois. Rapidement. Ouais. Tant qu'on tient son board. Après, tu peux aller chercher quelque chose de son là. Oui. Et je vais aller la chercher maintenant d'ailleurs. Hein. Vas-y. Et je vais bien prendre un Cromlech, ça t'embête pas? Cromlech into statue. Je crois pas que ça m'embête, hein. Sinon, il y a Ombre Lance pour gagner des PV, mais bon. Non, bah aussi Golem météoritique, Ah mais ouais, c'est quand Golem même. pète son Drake, comme ça on est safe. Oh, si, si. Bon, on est déjà safe avec notre. À moins qu'il ait un Bah, Boons. s'il a un Boons, on est mort. Non, vas-y, prends le petit Golem. Safe, safe, Si on safe. n'a pas mieux. Ah, mais du coup, on peut pas faire statue plus Golem. Eh, ça Alors que coûte moi, cher, avec hein. Cromlech, je te dis qu'on fait les deux, quoi. Ah, le 3, 4, 5, 6, 7, Cromlech, on fait les 8. deux, on passe à 18. Cromlech, ça coûte 4. Ouais, on fait pile les deux. Passe Mec. à 18. On meurt Mec, pas. Ouais, et. vas-y, fais-toi plaisir. Mec. Fais-toi plaisir. Non, Vas-y, je j'aime sais quoi, bien. j'accepte de la perte, Ah ouais. celle-là. Elle est pour moi. Mets l'enclave avant. Elle est pour moi. Ouais, je vous le dis. Je la paye. Vraiment, elle est pour moi. Vas-y, Il n'y a vas-y. pas de. Il n'y a pas de chichi, quoi. Je vous la donne. Cadeau. C'est C'est Kadok, pour toi, Perry. c'est l'échec Kadok. Oh, chillant, je vais pouvoir attaquer avec ça, quel plaisir. Ah oui. Ah oui. Ah, c'était les triggers qui étaient en pile. Attaque avec tout. Mais non. Ouais, pour attaquer comme ça, je crois. Après là, on est vraiment mort sur un spell boons. Hein. Ouais, t'inquiète. TKT, j'accepte. J'avais envie de me faire plaisir. Ah mais tu t'es fait plaisir. Parce que ça, en plus, ça casse le ça. Oui. Vois-tu Normalement, donc? tu aimes le plaisir. Voilà. Après, interaction boons lui coûte très cher là. Mec, un Boons à X mana comme ça, là? Un Boons à 3 mana, est-ce que c'est vraiment rentable? Ah bah pour win, ouais. Non. Il fait hop, t'as 3 mana, Boons à 3 Gros, mana, j'ai gagné. un Fading Hope qui coûte 3 mana, jamais je le caste. Moi Moi vivant. vivant, il Boons la statue. Il fait eh, comme ça les autres spells ils coûtent moins cher, hein. Hey, Ça réfléchit pas ici. ah, tu nous péris, vas-y. Libère-nous de cette game de toute façon. On veut s'en aller, on veut pas faire la 3. On pouvait la 4 gagner, mais mana, regarde tout. on avait envie de la perdre avec dignité. Regardons comme c'est cher, 4 mana. Je regarde comme c'est cher. Parce que s'il a un Qu'est-ce qui boon, m'arrive, moi, il de va le vouloir faire trouver. les plays marrants? Je suis vraiment trop Je con. sais pas, parce que d'habitude, Bah j'aurais oui. pu te dire moi go, mais non, j'ai dit Ouais. fais gaffe. Non, c'est vrai. Il dit très cher Des ce fois, on boon. alterne les rôles comme ça, c'est fou, hein. Il y avait 3 cartes de pisse. Et là, il trouve un Boons et on se serre la main. Après, il a plus que 3 mana, il vient de lander. Donc Il s'il a payé joue, le 3 il a plus mana. que 3. Oh, je l'ai là. Je Oh l'ai, je l'ai non, là. t'as 3 mana, Il gros, a elle me pile 3 dégoûte. mana! Non, t'as Oui. 3 mana, vraiment, Elle est je dégueulasse. préfère ne pas la Elle est caster. deg. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Mec, on a juste stabilisé ce game. Tu veux faire à l'assaut du festival ou tu veux faire Karn Pour pour tuer un ton golem? dragon. Est-ce qu'on continue à être con ou pas? On a eu une chance, je trouve que c'est bien de la Oh, prendre. je vais d'abord animer ma grosse statue. Ah, il a plein de bloqueurs. Ah bah attends, t'as une hydre, parfait. Mais Ouais, tu vas pouvoir animer ta grosse statue. je vais juste Ah bah tuer non, il a ça. double bloc, c'est nul, non faut pas faire ça. Non, non, mais oui, je vais pas animer la grosse statue. Je vais plutôt faire ça, Hydre, piocher une petite carte ah ouais. et on va Et donc hydre. fais une grosse hydre.
Une grosse, je fais? Non. Une tranquille, en vrai. Juste une 4, ouais, vas-y. Fais la 3, et elle va prendre la marqueur avec le grand comme mec. Ah, mais je sais pas si quand si, elle va le t'inquiète. faciliter, elle aura son marqueur. Oui. Sûr et certain. C'est pour moi. Là, on drop the game. Hein. C'est pour moi. Là, vraiment, on lâche le mic. Ouais, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Ok. C'est bon. Oui, par contre, pour ordonner. Ouais. Si tu mets le marqueur après, non, c'est mais mort. Je demande. On sait jamais. Se bat. Ici. Hop. Ok, c'est bon. J'ai dit. Non, mais t'avais dit. Il a dit. Bah, écoute, on va juste piocher les cartes. Hein, qu'est-ce que je te dis. Ah, ça aurait pu y foutre un coup de cromlech par contre avant. Tu veux qu'il faut un coup de cromlech? Ça aurait pu. Ah, mais j'aurais. Ouais. C'est, ça te détape ou pas? De quoi ça te détape? Le plus 1. Je crois pas. Non. Dommage. Ça aurait été stylé. Et on attaque plus très bien. Hein. Non. Je suis plus un peu à 30 d'hommes, quoi. C'est jusqu'à la fin du prochain tour? Ouais, est-ce que je... Non, je crois même pas. Je crois que tu fais confirme 0. Ouais. Juste la fin du prochain tour, on va faire ça. Ouais. Ok. De toute façon, il a une cloque avec la statue. C'est vrai qu'il perd un par tour, putain, est-ce c'est qu'il... vraiment horrible comme gars. Est-ce qu'il se tue avec la statue ou à la meule d'abord? Il y a combien? 21? 21? Non, il va se tuer avec la statue avant. C'est chaud, hein? S'il pioche. Bah franchement, c'est 3 mana n'importe quel spell de pioche. Hein. Ouais, donc tu pioches plus beaucoup. C'est dur, quoi. Putain, on a enrayé le plan meule avec la statue, c'était de la merde. Putain, en fait. En jouant mal, on l'a explosé. Mais ça, c'était vraiment pour irrespecter Perry. Ouais. Vu que la gamine, il nous a chié dessus. Là, d'habitude, c'est nous, à la place de Perry, et on se dit, putain, il casse pas notre truc, il nous laisse un tour, quoi. Ouais. Et on pioche pas, on se dit, oh là là, il est irrespectueux, il a raison. Ouais, never punish. Mais vraiment, dans cette vidéo, on sera pas puni. C'est quoi, on va prendre toutes les lignes les plus grises. Ah ouais. Ouais. Genre, on garde une main sans lande. Genre, là, je peux aller chercher Better Golem, je vais pas le faire. Fais-le. Je rigole, je rigole. Là, c'est quand même. Bah oui, là, c'est quand même plaisir. Là, c'est dur, quoi. Allez, viens là, toi. Allez, pour beaucoup. Et encore, pas tant, je trouve. Cassé. C'était pas tant. Cassé, le déchiqueteur. Voilà. Aussi, il partait pas. Mais oui, il s'accroche, il s'accroche. Oh, lâche, là. Lâche, il là, nous laisse, il nous laisse le temps de faire les plaies de merde. Tu sais pas? Ouais, c'est bon. C'est fait. Mec, c'est blague. Pas, c'est pas le meilleur gameplay. Humour. Moi, j'adore. Je trouve ça trop bien. Sur ça, à jouer en stream, trop bien. En fait, tu rentres comme ça, tu regardes pas trop. Et puis d'un coup, tu lèves la tête, tu fais. Et tu prends ton side. Tu peux te permettre de hop, mal jouer, c'est ça qui est et bien. Et t'en mets une. Tu fais, tiens, celle-là, elle t'emmerde. Il fait oui. Tiens, celle-là aussi. Ah, tiens, ce deck-là, il t'emmerde. Ou un Ragavan. Oh! J'ai cru qu'il allait faire le mec qui est trop fort, tu sais. Oh, je sais pas. Eh ouais. Le cheater, combien il en a par contre? 12. Combien on a de land nous par contre? Il en a 13 000. On va le trouver. Un pas depuis un petit land. On va le trouver, mon grand petit. Tombeau luxuriant d'ailleurs là. Histoire de perdre deux pèves. Oh, il a pas le Zen Spell. TKT. Non, je te sens un peu. Un peu tendre. Non, non, ça là. Va. Ouais. Ça va, mais disons que le land, on peut le piocher, quoi. On peut le piocher, quoi. On peut le piocher. Sachant qu'il va tuer, il va tuer notre cura en plus. Putain, il y a ça, quoi. Ouais, ouais. Mais ils l'ont tous, hein. Vous vous arrêtez jamais. Là, si on trouve pas le land, par contre, c'est une catastrophe. Ouais, c'est très dur. Ah, il avait un troisième déchiqueteur. Bah oui, il n'y a pas de souci sur 12 cartes. Je trouve très très souvent 3 phoenix en 12 cartes quand je joue phoenix. Non. Je ne m'exprimerai pas sur le talent de Pierry, mais c'est trop. Et on voit d'ailleurs que c'est pas yes. Du tout notre ami... comment s'appelle-t-il là, le 3-2 pour 1, qui est censé jamais se retourner. C'est pas Sondeur qui fait la game là. Hein. Non. On a 6 mana. Non, on a 5 mana, donc 5 on peut mana. Pas Hydrovorace. Je serais partisan de piétineur passe pour éviter de continuer à faire grossir ces merdes. Eh ouais. Après, il va les faire grossir comme un grand, lui. Hein. Oh oui, mais ça le regarde. Ouais. Ça ne nous regarde pas, tu veux non, dire non. D'accord. Vas-y, si tu veux, si t'as une stratégie, applique-la toi-même. Mmh. Oui, démerde-toi, en fait. Je vais pas t'aider. On va pas t'aider, Perry. Tu vois, c'est comme meuler le genre de dredge. Mmh. C'est un peu con. Ouais, je comprends. Ouais, sauf si tu meules toute la bibliothèque, quoi. Mais il faut tout oui. Meuler d'un il coup. Il faut quoi. Tout meuler. Eh ouais. Là, on pourrait ramper fort dans un que truc, tu vois. Là, tu fais un petit assaut du... Ah, il y a des contres, non. On a dit quoi?
Les lignes les plus grides. Parce qu'en vrai, moi, je lui tue ça, mais il a deux spells, je chie. Hein. Non, non, on fait à la Sui Festival. Je peux tuer ça. Fais à la Sui Festival. T'es sûr de toi? Ah ouais, je suis sûr. C'est excellent de faire ça. Mec, c'est juste, il part. C'est contré. Oh, Kakarot. Un petit card, non? Ouais, ouais. Ça va éponger des points de vie. Un petit Carnot. Vas-y, ouais. Un petit Carnot. Comme le boulevard. Lazare Carnot. T'as joué deux cartes en enjeu en plus. Mec. Chromelec, c'est il est combien là? Si je joue pas, j'ai pas ton Kakarot. 3 mana, ça coûte. Oh, c'est bien. C'est bien de ouf. C'est hein. Bien, Chromelec. Ah, si j'ai Kakarot, c'est nul. Hein. Ouais. Bon, on le casse quand même avec Piétineur, cela dit. Oui, donc c'est bien. Ah ouais? Je sais pas. On a dit Lingrid. Oh, on a dit les Lingrid. Oh. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on réfléchit? On a dit les Lingrid. Lingrid Betancourt. Vous l'avez chez vous? Bah, tout le monde là. Bah, bref. Bah, j'ai juste donné un nom, un prénom. Donc. Non, ce que je disais moi. Ah. Avec l'intonation. Ah, le téléphone. Le téléphone. Ouais. Ah ouais. On aurait pu le dire, hein. Tu sais, on n'est pas une vulgarité près. Non, mais j'aime bien les épargner en fait. Que les gens les aient et disent ah, il a pas dit et je l'ai. Ah, il l'a, ouais. Mais il peut y avoir un doute. Oui. Bah, les moins de 20 ans ne l'auront pas. Ou peu. Franchement, grâce à nous, certains l'ont. Ah ouais, celle-là. Il avait le boon s'il aurait pu nous battre un game. Merde! Bon, on a mis en avant ce type de film. Bon, on a plus mis en avant le dîner de con que le père Noël est une ordure, mais. Ah non, c'est pas le père Noël est une ordure. C'est les inconnus. C'est tourner manège. Ah putain, oui! Tourner ménage, pardon. Oui, oui, c'est vrai. Mais non, moi j'ai confondu avec Thérèse. C'est comment pareil, vous appelez-vous? Hein. Je m'appelle Thérèse. Voilà. Non, non, parce que dans Le Père Noël est une ordure, il a aussi quelqu'un au téléphone qui insulte Thérèse. Et ouais, et là non. Et là non. Ingrid. Et là, il demande à Ingrid quelque chose d'insultant. Il demande si elle le fait. J'ai. Elle m'en a perdu, hein. J'ai bilbosé. Et pas tellement encore, regarde. Je fais en cette Gargaroth, mana, et on fait plus rien. Attends, viens, on réfléchit deux secondes. On peut gagner 3 PEV et tout. Ah bon? Bah, ça, quand ça bloque, hein. On est à 5. Ça a bloqué, hein. On passe à 8, c'est pas létal vas-y, encore. Vas-y, hein. Je crois qu'on a pas trop le choix en vrai. Et là, tu fais double de la noire. Putain, c'est vraiment dommage qu'on ait pas Chromelec au man après. Hein. Mm. Non, non, non. De quoi? Ça va être trigger ces trucs. Ah ouais, donc faut juste Pasteur. Après, est-ce qu'il est obligé d'avoir 3 déchiqueteurs par game? Non. Non, 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 non. Pas obligé. Que veux-tu, que veux-tu? Mais je veux qu'il en ait pas. Ah, c'est des mon 3, mon 3, c'est vrai, putain, excellent. Encore? Oh, il m'a bandé, lui. Il m'a bandé, Perry. Oh, Perry, Perry, Perry. Péripétie. Tant de péripéties pour cette game. Allez, on va passer au suivant. Allez, cartonne-moi un mec de passage, là. Je vais en cartonner un, mais tu sais quoi, j'ai envie de retaguer sur le même. Ouais. Perry relance, là, un peu insouciant, fort de sa victoire. Et il se dit, ah ouais, mais moi j'ai pas eu mon sondeur et j'ai pas eu mes trucs. Eh ben voilà, c'est la vie. Ouais, ouais. Nous, on a pas eu nos landes. On a essayé de le détrousser sur le chemin. C'est lui qui nous a détroussé, il part avec l'or, mais tu sais, il a un peu. Il s'y flotte. Ivre. Il est un peu. Ivre content, de plaisir. Ivre de plaisir, s'y flottant, avançant sur le chemin. Et nous, on a appelé la deuxième team en backup. On le prend dans un trap, mon gars. 6 contre 1. Pas avec cette main. Avec cette main, non. Oh merde! Vas-y, ça va. TKT. Oui. TKT, TKT. Oh, Jesper Hussing qui a dessiné le troll. Pourtant, c'est pas son bail. Ça va, je trouve que ça fait très Jesper. Bah, il fait plus de dragons, ouais, mais. Il fait des dragons, ouais. Mais c'est bien fait. Le dessin fait très patte Jesper, je trouve. Ouais. Comme si c'était lui qui l'avait fait. Oui, c'est vrai, ça ressemble beaucoup à du Jesper Hussing. C'est bon. Ah, ça me fait plaisir. Après, on tombe contre Monsieur Non. On n'est pas obligé de gagner hein, quand on présente des decks après. Non, c'est vrai. Oh, mais attends, zoom-moi donc sur son d'autres cartes là. C'est pas mal, hein. Et il est incroyable. Il est beau. En gros, c'est Adjani en mode X-Men. Oui. C'est vrai. Trop stylé. Oui, c'est beau. C'est sympa. Ou Avengers. Ou ce que tu voulais. Il fait un petit troll là. Enfin, c'est troll contre lui. Je crois pas. Hein. Ah, il voulait faire troll. Je vais faire troll de toute façon. Je vais faire Kyura plus troll. Ok. Vas-y. Vas-y, vas-y. Je crois que je fais Kyura. Regarde, vas-y, je te montre. Regarde.
Je te montre comment bait Johari et la faire tomber sur troll. Ça mouline. Eh, Eh oh! à votre cerveau. Moulinas ici, hein. Il est mort. Oh, il est là en mode. Putain, ça résout, oui! Eh oui, ça résout. C'est un malin, hein. C'est bon, il peut la caster là. Merde. Je la lui donne, franchement, cadeau. Vas-y, puisque c'est un peu pourri, je varie et réprobation, donc. Tour d'après, c'est ça et ça qui part. Elle rentabilise. Oh, le refus, ça me va. Refus, ça me va. Ah ouais, franchement, j'aurais peut-être refus la Giora, moi. Il n'y a pas de galette. C'est marrant, ça, quand même. Hein. Il n'y a pas de mais galère. T'y fous un petit assaut du festival, là. Assaut du festif. Oui, mais quelque part, mes bêtes vont pas faire grand-chose avec sa questeuse. Hein. Est-ce qu'on n'a pas rien à foutre? C'est vrai? Après, si tu peux juste faire un cavalier d'épines et je paye la questeuse. Hein, si tu veux. TKT. Vas-y, vas-y. Greedy line. On l'a dit, hein. Non, c'est vrai qu'on peut faire cavalier d'épines et payer... Cavalier d'épines, pardon, pas d'épines, et payer la questeuse. Ça me paraît être plus safe. Vas-y. Vas-y, viens, on essaie de gagner. Ouh là là, ça commence à passer vite, cette histoire-là. Je te le dis, là, Kutchi. Je paye. Ah putain, je croyais que c'était un festival, j'étais là en mode « Oh, encore un prout !» Non, c'est normal. Là, c'est classique. D'ailleurs, on n'avait pas pioché une carte à Kira. On l'a fait. On a pioché quoi? Mais non, on n'a rien pioché. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça a été contré par Questeuse aussi? Ah ouais. Ah, on pouvait choisir de... De piocher ou de faire cavalier. Bon, c'était mieux cavalier. Que je kiffe. Ça fait piocher et mettre en jeu. Ouais, Alors mais c'est que Kira piocher fait un que land. piocher. Ouais, non, c'est ok. Ouais, C'est fine. c'est peut-être kiff-kiff. En fait, c'est que ça nous meule Mais et ça nous permet de reprendre un ça... Ah truc. ouais, putain, c'est même les capacités qui déclenchent sur d'autres permanences à Ah les ouais. contre. C'est une sacrée carte, ça, hein. Putain. Ça, c'est carte de coquing. La questeuse. Je déteste cette carte. Il y a vraiment marqué refuse de t'amuser. Tu préfères ça ou Magistrat de Dranit? Magistrat Dranit en vrai. Bah après je joue pas en DC donc enfin je joue peu en DC donc je pense que les joueurs de DC ils préfèrent Questeuse. Tu me feras pas un petit Karn? Bon je crois que je fais un gros assaut là non? Ah ouais, parce que tu peux faire Karn aiguë à sectionner Teferi. Ouais après ils jouent des portable hall ces mecs là pour avoir fait pas mal de fois le match-up. Comme tu veux, tu peux faire à l'assaut, mais à l'assaut, si c'est de la merde, on n'est pas bien quoi. Ouais. Tu préfères Karn aiguë à sectionner? Ouais, j'aime bien là. En plus, il a du mal à aller le chercher avec sa questeuse. Je pourrais casser le portable hall avec mon Bozaiju, donc c'est un backup intéressant. En plus. Ça pousse. Aiguille. Je te laisse écrire. TFU. Héros de Dominaria. Pas se tromper, hein. Non. Et fin de tour, tu peux la casser. Je vais casser ma propre aiguille, comme ça je rentre. Bah, en vrai, c'est un super play, hein, je trouve. Blague à part. Pourquoi il joue refus dans son deck? Ça... Ah oui, mais c'est un deck Lotus Field, donc Ouais, il peut caster les grosses il spells. peut contrer Lotus. Il peut contrer son Lotus, ouais. Je l'endroie. Le contre! D'accord. Calme-toi, poulet. C'est cher payé, ça, hein? Wesh. Ouais. C'est dommage, c'est que, en fait, sous Portable Hall, elle est exilée, tu peux la reprendre à Karn. Ça nous fait vraiment chier, quoi. Ouais. Non, tu peux pas la prendre la carte, je crois. Si? Si, c'est certain. Tu prends deux Ouais, sons bah c'est en exil, quoi. avec. Ouais, je te jure. Mais Même je l'ai fait. les. Si. Mais pourtant. Eh oui. Bah, C'est fou, hein. rien. Ouais. Dingue. Ouais, dingue. Ouais. Ouais. Le Ok. mec, il est subjugué. T'es interloqué. En vrai, je peux la poser avec l'assaut du festival, la Needle, si je veux. Ben Ah on va le bon, faire. on en est là. Hein. Ça fait chier, mais. Bon, je Bon. peux aussi Karn et T'es PTTF. sûr d'avoir un hit? C'est vrai. Où est-ce qu'il met le petit coup de questeuse? Moi, j'aime. Questeus. S'il est malin, il met sur Karn. Sotorikutu. Eh ouais, bah, il est Je malin. pense que questeuse à prononcer pour quelqu'un de japonais, c'est le pire mot. Quiz studio. Genre c'est. Je pense qu'il dit Kekuise Et il le dit en italien. La vache! Ouais, c'était plus simple, je l'ai traduit direct. Qu'est-ce que t'as à faire là, putain? Ben oui, hein. C'est valide. Mais du coup, on peut piocher aiguille à sectionner, là. À la main. Mais comment? Ah ouais. Avec ça. Franchement, ça vaut le coup, non? De pas perdre un coup Moi, j'aime de... bien, ouais. T'aimes bien ça? Ouais. Ça te fait plaisir? Ouais, j'aime bien. Ça te fait plaisir, on peut le Ouais, faire. j'aime bien.
Ok, je vais bien. Vas-y, si ça te fait plaisir, on le fait. Je sais pas si ça me fait plaisir, mais genre, Non, c'est cool. j'ai vu que J'ai vu. ça te faisait J'ai plaisir. vu, j'ai vu. Il dit. Si ça te fait plaisir, ça te ferait rire un peu. Oh, j'irai pas jusque-là. Tu peux animer. Non, je le bazarde. Ah, tu bazardes? J'en ai rien à foutre, gros. Non, calme! J'en ai plus rien à foutre. Tu lui mets quoi dans la troïne, là? Je sais pas. Un truc bien. Je peux poser Chariot des Icas, là j'ai 4 mana. Oh ouais, prends chariot, trop bien. Oh. C'est trop bien, Chariot. Ah, mais attends, ça fera pas les chats. Dans le pente. Oh, le pente. Attends, attends, attends. Après, c'est déjà bien d'avoir un chariot. Ah, c'est pas mal, ouais. Mais du coup, j'aurais pas pris un chariot. Et pas pensé. On aurait dû dire questeuse. Et ça ne marche pas. Tu peux plus jouer questeuse. Bah si. Et je suis bourré avec ça. Merde. Putain, il a vraiment un plan en plus. 8 points. Eh, ça va, oh! Ouh, le hardcast. T'es, regarde-moi ce que j'ai fait à ton hardcast de Oh merde. putain. J'ai les trois télés. Oh, punaise. Oh, le plaisir. Tu pouvais péter son land aussi si on voulait éviter de mourir. Ouais, non, mais ça, c'est Non, quand mais même ça, oui. autrement plus outrecuidant, quand même. Oui, ah bah il est outre-cuit, mais de ouf. Oui, voilà. Dans outre-cuit, il y a cuit, hein. Je joue ça et je paye. Ah mais non, mais la souris festival. Mais je pourrais rien payer, quoi. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah merde, tu pourrais rien Je payer. paye que chi, quoi. Mais là, en vrai, je paye que chi non plus, quoi. Si, si, tu peux payer. Mais non. Si, si. Ah, si. Ah, ça paye super mal. Ouais, Ah, ben ça te cachait un je vais land. payer dans ce cas. Ça te cachait le petit land. Oui. Putain, à chaque fois, je suis là en mode il est nul mon assaut. Mais non, non, Par tu joues contre, pas il y un a combien de assaut. cartes au cimetière? Parce que je crois qu'il n'y a plus là. De carne. C'est pas grave, Si, il y en après, a on un. est pas obligé de gagner avec carne. Hein. Non, mais c'est bien, Karn. Du coup, de sommeler 2 sur 5 cartes, c'était quand même pas de chance, quoi. Il va nous redonner une main complète là, le poulet. Franchement, ne fais pas ça. Cloud, vraiment, je te le dis pour toi, ne fais pas ça. Anime un 7-7 et mets des coups, quoi. Mets des coups Ouais, de tronc. c'est un peu mieux, je pense. C'est vrai, c'est quoi qui tape? C'est un hall qui Bah, tape? je pense que c'est un géant des tempêtes. Hall des géants des tempêtes? Il devient un géant 7-7 bleu géant. Ici, il est D'accord. deux fois géant. Ok. Il est supra C'est un géant. méga géant. Alors qu'un grid n'est pas. C'est un demi-géant. Mec, j'y C'est un vais petit direct. géant. Ah oui. Mec, j'y vais juste direct. Et puis j'ai refus là. Voilà, que dalle. Allez, bim et bim. Ouf! Ouf! Allez, vas-y. Fais des tapes dons. Tu veux des tapes celui-là? J'adore. Ouais, je peux payer du coup? Ah oui. Ouais, je peux payer, je le fais. Ouais, si Non, tu après, payes, non. tu peux pas attaquer. Après, Ouais, donc tu attaque prends donc. Vraska, quoi. Mais non, je peux pas attaquer là, ça. Oh Je merde. peux jamais attaquer à cause de cette merde. Mais. Elle fait rien là. Ouais. C'est vraiment du choc là. Hein. On va retrouver un beau Zéjou. Eh non, il n'y en a qu'un. Ah, il n'y en a qu'un. On va retrouver Karn. Dame les gens. Hein. Ouais, mais tu peux pas péter un land avec Karn. Ah bon, le golem il casse pas un Je land? crois pas. Cette mana il casse pas un land? Je suis pas sûr. Je veux pas te. Bah, fais voir, clique sur le deck. T'induire en erreur. Non-terrain, Eh de la ouais. merde. Oh, très beau sortilège utilisé par notre adversaire. Ah, c'est un vrai sortilège ça. Ah ouais. Après, il y a ça qui reste. Ça Hein. tue pas ni ça, ouais. Il va la tuck ou pas? Il peut pas la tuck. Mais non, parce qu'on a la petite aiguille. Par contre, aiguille, peut plus. Bah, aiguille se barre. Ouais. Tac, tac. Bah, ouais. Hein. Ah, j'ai un petit. Fais chier, on va fait chier. Ouais. Ouais, ok. Un petit côté chafouin là, vite fait. Keep up the pace. En vrai, cette vidéo, d'ores et déjà un classique. Mais c'est masterclass. On a commencé, c'était masterclass. J'ai dit tard l'époque, on savait que ça Oh, partait t'as déjà dit loin. tard l'époque, frère. Ouais. Mais C'est ouf. je le dis en fait souvent sur Discord, mais c'est vrai qu'en vidéo, je le dis jamais. J'ai jamais entendu dire ça. Comme si tu m'avais dit un matin, ça va le sein. En mode. Ouais, ça va. Mais ça, c'est passé tout de suite, catégorie un peu ridicule pour nous. Ouais. Tout de suite, ça a été dismiss. Oh, tue le tef, s'il te plaît. Ah, je suis le teuf. Ah, Ah, je vais si, si, d'abord à si. l'assaut avant. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que s'il y a interaction, il faut que tu animes repère de l'hydre aussi. Mais là, je peux. T'as peur qu'il interagisse? Mais il interagit pas, lui, t'es Gros, sûr? s'il interagit, on a perdu. Mais jamais. Et s'il a contre?
On tue TF. Putain, pas marrant celui-ci. Hein. On tue TF, on chante à tue TF. Ouais. Ok. C'est toi qui l'auras voulu. La minime donc une forêt, Yugi. Bon, je crois qu'il a que dalle. Je pense qu'il a rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh merde, il te manque un mana, je crois. Pour jouer à l'assaut? Ouais. Il me le propose. Eh non, il me le propose pas. Mais il dit oui, mais avec quoi? C'est juste chariot là en vrai. Vas-y. Hein. Et tu pourras même faire un sweet tricks avec ton chariot. Sweet tricks. Tu pourras l'animer en fin de tour et piocher avec l'enclave des breeders. Ouais, on a les manas pour ça. Ouais. Ouais. Yeah. C'est pas sweet? Ouais, c'est bien. Oh! Ça y est, il craque. Il tombe dans le panneau. Dans le panneau. Mais non, mais ne fais pas ça, Cloud. Oh, les petits carnes. Oh là là, le petit. Oh là 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 là. Et puis surtout, il bloque plus, quoi. Non, c'est bloqué. Là, il cherche une vrasse. Hein. Il cherche l'endvrasse. Mais il est quand même au fond. Mec, je l'attends. Quand tu vas faire ton moins 8 là. Quand tu vas faire ton moins 8 là. Non, faut pas le faire moins 8. En vrai, si je suis à 9, je fais le moins 8. Hein. Mais l'entrée oui, indestructible. Mais pas 8. Sympatico, quoi. Et bien, elle est longue cette game. Ouais, mais elle est bonne. Ce glouton. C'est dorme. C'est la gloutonnerie. Hein. Dorme bien, gloutonner, bien manger là. C'est bien. Moi aussi. Ça me plaît. C'est bien. C'est bien. Parfait. Regarde, dis donc, on va lui chercher une dieu, une statue là. Ah, mais il y a un truc bien chiant là. Ouais, vas-y, on va chercher. On regarde ensemble ce qu'il y a de plus chiant pour après, lui. Après, il a des trucs exil tout, hein, sauf les Planeswalker. Donc, artefact, ouais, il est dégagé aussi. Du coup. Oui, mais bon, il a 8. Eh non, je peux aussi mettre un Cromlech. Refus. Mm-hmm. Ouais, bah écoute. Voulez-vous. Ça va partir sur un autre play, je crois. Vas-y. Attends, j'ai pas l'étal. Si j'anime ça, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mets 8, 8 et 7. Non, on n'a pas l'étal. Du coup, on met ça. Vas-y. Mais on j'ai aurait pas compté, pu. Je t'ai fait confiance. Ouais, il n'y a pas l'étal. Oh, mais deux carnes. Non, je vais pas le faire. Je vais pas faire ça. Hésiter. Je me suis dit, il y a un intérêt à faire ça. Y a une et en fait, non, il y en a pas. Ah, dégage. Ouais, bon, Claude, tu nous as assez cassé les couilles, là. Oh, avec tes contres, là. Ah, hein? Du coup, et ben, on rentre. Vous vous posez juste une question quand vous sidez. Est-ce que je veux deux Hydrovoras? Est-ce que je veux deux Hydrovoras? Si vous ne voulez pas deux Hydrovoras, c'est bon. Entrez rien. Très bon jeu de BO1, du coup. BO1, BO3, BO2. Ouais, BO12. Si tu fais un BO12 avec si un pote. Copiez la decklist et que vous partez en BO1, attention dans l'ordre du side. Ouais, il n'y a que 7 cartes que vous 7. Pourrez récupérer, effectivement. Donc, typiquement, vous ne mettez pas les Hydrovoras. Mm. Donc, si quelqu'un est parti de la vidéo juste en prenant le deck faisant du BO1, est revenu sur la vidéo et a entendu ça, chais. Voilà. Voilà. Allez, pas partir. Allez, pas partir. Faites attention aux Hydrovoras. Hein. Les Hydrovoras, pas en side, du coup. Non. En BO1. Bah, ou en bas. En bas. En bas du side, quoi. Pas dans les 7 on les rentrera slots. Pas souvent. Bon, Cloud, si tu veux avoir une déco, c'est le moment. Aucun problème. Vraiment, on la prend, mais plein fer. Il n'y a pas ouais. De. Oh la, non, la première tout, game on nous a largement satisfait. On a gagné notre petit match, on est très content. Ouais, ouais. Après avoir perdu contre Perry et Pipin, là, c'est bon. On a donné, quoi. Perry et Mipin, là. Je sais plus comment il s'appelle. Dégage. Eh oui, Cloud, lui, il a du side. Lui, il joue un vrai deck. Évidemment. Il s'adapte. On va quand même le bourrer, ça qui est beau. Il s'adapte. Alors, pas qu'à faire un artefact, je te le mets. Pas qu'à faire un artefact, je te le mets. Pas contre un Planeswalker, je te le mets. Non, il a ça dans son side. Non, je te redis pas ça dans son side. Bah si. De White Control. Il doit avoir des brasses. Ça aiguille un artefact. Attends, je te le mets. J'ai 6% de batterie, c'est bien. Hein. J'espère que t'as pas besoin. Je serai rien des joignables, toi. Ça dépend. Ça dépend qui veut te joindre. Tout à l'heure, j'ai eu un coup de fil pour le CPF. Ah oh, putain, il s'arrête. On m'a dit rien. Oui, bonjour, c'est son offension. Je fais c'est pour le CPF. On m'a dit bonjour. Et on a raccroché. Gros, t'es que moi, le CPF me fait peur. Hein. Il me contacte par téléphone, par message, par mail. Putain.
Tu te dis en mode, un jour je vais rentrer chez moi, ils seront dans mon bureau, bonjour, c'est pour le CPF. Bonjour, du coup, pour le congé professionnel de formation. Non, non, garde cette main, garde cette main, on avait dit qu'il fallait grid. Ah non, mais quand même pas. Non, 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 on va gagner. Non, 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 je veux gagner contre Cloud. Bon, allez, c'est parti. J'ai cassé les trucs. Ouais, attention. Non, non, je veux gagner contre Cloud. Ah non, hein. Mais on aurait gagné contre Cloud. Ah merde, hein. Non, 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 merde. Elle était pas bien. On avait dit chier, putain. On avait dit merde. C'est quoi ça? Pourquoi il a quoi dans la main, lui? Une grosse boule. Une grosse boulasse. Refus d'obtempérer. C'est ça. Eh non. Refus d'obtempérer, c'est quoi cette carte? C'est aucune carte. Si je pense qu'il y a un contre qui s'appelle comme ça, c'est obligé. Toutes les façons de dire non, en fait, sont des contres. Passion pour la police, père. Je suis policier. J'adore. J'adore le respect de la loi et de la justice. Refus d'obtempérer. Ça n'existe pas. Je prépare ma reconversion. On sera bientôt plus surveillant, donc... Aïe, aïe, aïe. Je pourrais pas demander le carnet aux gens. C'est un peu le même taf, de toute façon. Même taf, hein. Oui. Jeune homme, ton carnet. Peu, j'ai des extrêmes bien plus élevés. Eh oui. Au lieu de demander ton carnet, tu demanderas tes papiers, quoi. Ouais, par exemple. Ou carrément, je fais direct, refus d'obtempérer. Je crie. La personne, oh, j'ai rien fait. Arrête comme ça. Il dit, voilà, maintenant il est calme. Il est doux. Il a sécrété un petit peu d'acide comme ça dans son corps de tueur. Ça l'a raidi. Je vais pouvoir le cueillir. C'est 50 balles, vous m'avez mal regardé, monsieur. Le outrage à agent. Le surveillant qui devient un policier ripou. C'est un film de Gaston Bide, ça. Exactement. C'est tout à fait ça. Ok, alors petit bossé, il joue. Mec, je peux battre Dwarry Disruption. Mais bon, je veux quand même balancer quoi là dans les orties? Qu'est-ce qu'on y fout? Parce qu'il a un refus de tempérer. Je crois que je balance ça dans les orties en vrai. Ouais, vas-y, vas-y. C'est ça ou mémé? Ah ben, moi je t'aime. C'est beau, t'es fort. Hein. Yes. Oh, la vivacité, il est bon. Ah, je suis chaud, le portail n'a pas mangé, il fait extrêmement chaud. Mais c'est là où le cerveau s'active justement quand il n'y a plus de réserve et qu'il va. Cerveau, l'option ! Au lieu de puiser dans les nutriments que tu lui as donné, il va puiser dans une autre molécule, je sais plus comment elle s'appelle. La dinguerie. Et c'est là. Et la molécule de la dinguerie. Et c'est là où t'es le meilleur, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font du sport à jeun. Parce que ça leur va bien. Parce que déjà ça leur va bien. Parce qu'ils y habitent. Allez. Il y a aussi le sport à jeun. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est plus proche de chez nous. Bah, ni ça là. Ah ouais? Ah, on s'en fout en fait, on tourne autour de rien. Bah si, tu tournes autour de Jory. Ah oui, c'est tout quoi, mais pas le reste quoi. Non, mais il a rien là. Là, il fait putain. Je lui présente contre, il a pas. Voilà, arrive et là, moi, je suis Cloud, je suis en ladder en stream et je dis putain, je suis contre up et le mec il respecte rien. Eh ben non, on s'en fout. Eh ben non, on respecte rien. Il me forêt là. Ah non, peut-être Bosé juste, c'est mieux. Ah non, tu veux jouer pétillère? Oh, moi je suis en port. Ah ouais, non, attends, attends, attaque d'abord. Ouh. Ah oui, je peux attaquer avec mes 3 points, ouais. Comme ça. Bah oui, on respecte rien. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, hein. T'as mis une petite feinte du pétineur. Oh là, on va se prendre une petite brasse quand même. Pas piqué, hein. Bof. Petite brasse après derrière Nissa, oh, ouais. Limana à la soirée. Ah ouais, il a perdu, hein. Il fait brasse, on dit bah t'as perdu. Il fait bah oui. Et alors? Mais petite brasse quand même. Okay. Je préférais préciser. Après, oui, petite brasse propre. À l'assaut du festival Prout, il y a match. Ouais, Prout, ça nous met quand même de l'onde. On a toujours le Nissa qui tourne. On peut le rejouer certainement derrière. Ça ouais. Va, quoi. Ouais, ouais. Ah. Voilà, il fait end of turn. Il est juste dupes, juste perdu. Mec, on le cloquette même pas, c'est fou. Attends, mais on a pas joué là en temps. Ah si, on a joué 20 minutes. Fait... Si, on a joué. Comment ça, on a joué 20 minutes? Bah, 10 et lui 9. Oui, voilà, oui, 20 minutes, ouais. Ah, je me disais aussi, putain, ça fait longtemps qu'on fait cette game. Ah, ouais. Ah, je croyais que les timers, ils commençaient à 21. Ah, on dit, bah, on a joué hyper rapidement. Bon, Cloud, c'est bon. Maintenant, tu l'as ton adieu, tu l'as ton Shutter the Sky ou tu l'as pas, gros. Il y a un moment, faut arrêter de nous faire croire que tu joues des cartes. Ça dégage. Ok? Voilà. Que les choses soient dites, j'ai une salade qui m'attend, moi. Ça, de quoi? Si tu me dis de rival, je fais une prise de catch. Rit ton tomate. T'as de la chance que je sais pas faire les prises de catch. C'est ça où je me fais un petit faux filet de bœuf. Ah, on n'a pas pu prendre le malin en réponse, t'as vu? Il a fait mettre au-dessus et le jeu a dit d'accord. Oui, c'est on n'avait rien à faire. Ouais, mais pas cool. J'aime bien qu'on me propose. Ouais, pas cool, ouais, ouais. Ouzi, 3 points. Je t'ai pas invité. Ouais, mais tu serais pas venu. Ouais, mais j'aurais bien voulu être invité 1, 2, quand même. 3, 4. Non, fais 3 points d'abord. De quoi? Mais y 3 points d'abord. Les 3 points d'abord.
Oui, c'est vraiment genre t'as envie d'être invité même une soirée où tu peux pas aller, quoi. Ouais. Bah là, c'est pareil. Et là, du coup, est-ce qu'on mettrait pas Nissa en jeu? Je crois que c'est plus malin de mettre une petite forêt. On peut même mettre Ouais. ça, en fait. Oui, mais tombeau. En plus, ce sera notre tombeau, donc c'est énorme. Ouais. Franchement, est-ce que c'est sweet Je crois qu'on nature? n'anime pas. On fait plus d'un dans le vent. Comme zéro, ouais. On connaît là. Là, il fait, vas-y, anime encore un land. Tu vas le perdre, Yugi. S'il a joué en standard, il connaît pas le play. Et il connaît le play, pardon. S'il a pas joué en standard, il se fait, oh, ils sont vachement advanced en face. Donc le type, il peut faire plus un. Il le fait dans le vent. Il le fait pas. Salut, c'est Thomas VDB. Mec, est tu trop sais advanced. On a déjà joué un deck assez ressemblant il y a longtemps. Et Ouais. je crois que c'était une masterclass aussi, la vidéo. À mono vert, de toute façon, ça peut que bien se passer. Mais il y a des trucs comme ça. Ouais, il y a des decks C'est. qui font tout seul, en fait. Ouais. Je pense que du coup, là, on est pas mal ivre de plaisir. On est hydre de plaisir. Mec, pourquoi on splash pas bleu pour Krasis dans ce deck? Ouais, je pense qu'on gloutonne déjà. Il y a déjà des Et avec Kyora le et tout. Krasis, c'est de la merde avec l'assaut du festival. Moi, je t'ai donné deux raisons de pas le faire là. Ce qu'il dit. Bah si, c'est de la On merde. avait clippé ça. Tu fais Krasis, 0, Oh. elle fait. Ce qu'il ose dire. Elle fait exactement ça. Gros, c'est dur d'entendre ça à cette époque. Hein. Ah, je te le remets. Très très dur Et toi, d'entendre tu tes fais ça. propos. Tes propos sont d'une violence, PL, c'est turgescent. Je trouve pas. C'est-à-dire quoi, turgescent? Eh non, pas Nissa du coup. Putain, on a pas plus ça. Un château. Turgescent, qui turge. Ah merde, non, il arrive d'étape, il fallait prendre forêt. Désolé. Pourquoi? Je croyais que ça arrive engagé parce que ça faisait 2 mana pour jouer un truc avec carte. Et on s'en cague le cul que là, non? Mais il va pas lui manquer un mana là. Pour faire un J'ai truc fait à un petit 4? carte. T'es gâté, t'es gâté. Je m'écatais pas. Je peux remettre un chariot, alors je peux anticiper un teff. Ouais. Oh non, je Anticipe peux gratter Tef. un corbillard. Je dégage à ces deux merdes Ah ouais, là. vas-y, corbillard là, ça l'emmerde bien. Nickel, corbillard, et fais maintenant. Mais, T'inquiète, t'inquiète. On est là. Bim. Hein. Exilé. Ça Déluge. là. Et Et ça ça. là. Allez, tu Quoique perds ça ton nous deck. avait fait gagner, tu sais. Ouais, mais j'aime bien Là, briser cet espoir. pioche une main et tout. On était Là, là tu en peux mode animer Bodejo. ouais, Ouais, t'es sûr et animer tout. Bodejo. Pourquoi animer Bodejo? Parce que si tu le forêt, on perd de mana. Donc si tu Ouais, mais Bodejo, on on en perdait a pas de mana. plein, gros. Je vis dans l'opulence, moi. Ouais, c'est vrai. On garde. T'aurais pu partir en freestyle là. Gardons, quoi. C'est-à-dire en freestyle. Alors ça, genre je vis dans l'opulence moi, ça faisait un peu genre début de je sais Ah, pas quoi. début de Et tu Peura, lâchais un gros truc et tout, moi j'étais là genre ouais. ouais. Ouais, Ah, ça a été fou quoi. Et il faudrait que Narset. j'aie du talent rapistique, et c'est pas le cas. C'est dur en même temps. Bah, Je peux pas tout te demander quoi. non, non, c'est sûr. Bah, dans ce qui est musical, de toute façon, on va Dans rien me demander, ce qui est en fait. demandable, ça n'en Voilà. fait pas partie. Dans tout ce qui est musicalité avec ma bouche, on va éviter, quoi. Alors qu'un petit riff, Gros, c'est trop. sans problème quoi. Elle Bon, dit ok. même un petit riff, malheureusement, hein, j'ai essayé, mais. Ah, tu peux faire le générique du jour du grenier, genre. Je sais pas quel générique La c'est. ref. Ça fait tout 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 Ouais, je pense que tout si on tout monte tout. tout. Hop là, claim. Parce que je l'ai extrêmement bien Oh, fait. Dame! Claim les gens. Mec, je vais chercher juste un grand cromlech. Mec, il ne voit C'est que bien par ça? cette carte, quoi. Oh, c'est bien. Fais voir, regarde le reste. Ok. Non, c'est bon, on a vu, on l'a vu. Non, mais moi j'ai vu, hein. T'as vu, c'est bon? Ouais. Ouais, vas-y, let's go. Après Grand Chromelec avec Narset, hein. Bon, Mais on on l'a l'a tué! tué. Bah Et du coup, peut-être tu l'as d'abord. non, parce que du coup, je peux plus faire Grand Chromelec si jamais il a un anti-bête. De toute façon, si tu fais Grand Chromelec, on est rect aussi, non? Bah, au moins, il est posé, quoi. Vas-y, vas-y. Au moins, il est épaules, tu vois. Ouais, t'as raison. Mec, il Bon. a que dalle. Mais il a que deux. Le mec, il est foutu, Il a quoi. Walou. Petite forêt. Parfait. C'est trop. Franchement, c'est trop. Oh, trop non. Si, c'est C'est bien. trop. Ça, ce qu'on met à UI Control avec ce deck, c'est trop. Ah ouais. Ouais. Bah, il y a trop de choses, quoi. On a pas assez de réponses pour Peut-il notre gérer? deck. Je pense qu'il peut pas Très gérer. mal, très très mal. C'est comme un caprice des dieux. Bon, par contre, tu bandes. Ouais, je te le dis, Ah ouais, Claude. bah c'est chiant. Tu vois? Exilie de petits trucs. Vraiment, tu fais Les chier. pinches. Adieu, c'est chiant. Et refus. Ouais, non, c'est encore Moi, plus je chiant. suis chiant.
Bah ouais, tu bandes quoi, merde. Après, heureusement qu'on n'a pas un souhait festival dans la main, quoi. Comment il en a passé de refus? 1, 2, on peut en battre combien en tout? 12? Ah, d'adieu. Je peux faire les deux. Dis d'adou d'adieu. Tac. Kakarot, t'es enclave, pioché. Plus un dans le vent. It's down. C'est bon là? Tu peux t'arrêter, Cloud? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur un land, on fait la même chose. Ce qui en l'air, c'est qu'on n'a pas de l'air of Hydra, quoi. Et ils ont été. Ah non, ils n'ont pas été gérés, pas du tout. Non, on les a juste pas eu. Il y en a deux. Vas-tu stopper? Comme Rakdos. Vas-tu se stopper? Par contre, ça ne s'arrête jamais. Attaque donc d'abord. J'attaque donc d'abord. On fait quoi, un 3-3 ou on pioche? Je crois qu'on veut piocher. Ouais. Bah, c'est simple. Après, est-ce que nos draws sont meilleurs que les 3-3? Tout ce qu'on pioche, gros, c'est de la couenne de jambon pour lui. Donc forcément... Et il aime pas la couenne? Non, il aime pas. Ah putain, je pense qu'un que de la couenne. Un 3-3, c'est infiniment plus faible que n'importe quel draw de notre deck. Que n'importe quelle couenne. Du coup, je fais un 3-3? Ouais. Et un 3-pep. Du coup, je gagne 3-pep. Là, il bande. Je pourrais lui faire 20 tours. Ah, oh, c'est hyper chiant. Ouais, de ouf. C'est hyper chiant. Ah, c'est hyper chiant. Ouais. Heureusement qu'il a rien fait d'autre, mais c'était hyper chiant. Hyper chiant. Il a un peu brisé, ça, brisé un délire, tu sais, un espoir, une envie. Tu sais, tu commences à dire, alors je vais faire ça, et il fait, fin de ton tour. Super. Ouais, et il le dit de manière très désagréable. Vraiment, presque, t'as envie de te lever, lui en coller une. C'est plus jamais tu me parles comme ça, gros. Et du coup, il fait, allez, hop, 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 à moi, je t'étape. Ah là, il est là, ton l'air. Tu veux le bourrer. Hein. Ah, il est là, il fallait qu'il arrive quand même. M'en donner. Et je me fais une tour. C'est bon. Allez. C'est bloqué, c'est bloqué pas. Allez, bouffe ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va lui chercher là? Un truc bien chiant là. Un truc qui le cloque. La plus grande des dingueries. On a Golos qui fait nimpe. Oh, en vrai, petite statue. Statue, c'est bien, ouais. Statue, ça le cloque, hein. Ouais. Il a une carte en main ou pas? Ouais. Ah merde. Ouais, sinon, on aurait tué sa charrieuse. Allez, statue. Moi, je l'aurais statue de toute façon. Et c'était un refus. Putain. Bien vu le. Putain, le con. C'est bon, là, t'es échec en tout cas, Cloud. Oh, il ne s'arrête jamais. Il est très fort. Hein. Là-dessus du deck, il est impeccable. Hein, parce que regarde, il a pas beaucoup de terrain. Non, non, vraiment. Il est très très bon. Exceptionnel, notre ami. Après, là, s'il attaque, il pioche 1, 5, il passe à 10, il est échec et mat. Selon ce... Enfin, sauf s'il pioche un actif, quoi, mais là, il est mort. Il pioche un actif, là. Ouais, tu penses? C'est sûr. Je tente quand même. Ah, tente, hein. X égale 6, du coup, il faut Alors, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mana, ouais. X égale 6. Est-ce que tu peux pas lui proposer l'étal? Allez, meurs, s'il te plaît. T'as pas de top deck, une interaction. Gros, il a top deck anti-bet. Il a top decké chariuse, refus, Teferi, gros, anti-bet. On m'en parle pas, je suis au fond. Bah oui, je suis très au fond, et du coup, on tue pas le tef. Non. Bah, mets un petit druides. Hein. Oh putain, quel enfer! J'en reviens pas. Tu peux arrêter de piocher? Le refus tef absence, il était. Chariuse? Il était d'une qualité. Il va nous emmener en game 3. Hein. Non, non, non. Je laisserai pas faire ça. Bah, j'espère moi pas. Vivant. Bah, moi, je la ferai pas la game 3, donc c'est simple. À toi de voir. Ok, Veto de Devine, c'est pas mal fort. C'est pas mal fort. Il peut faire une 1-1 ou pas? Il a des landes. Eh ouais, putain. On va quand même bourrer taf. Oui. Questeuse. Il revient. Il fait plus d'un. Hein. Il fait plus d'un, ok. Ah, mais si. Parce qu'il étape. Putain, il étape ça. J'ai quand même proposé de bourrer. 2, 3, ah non, mais là. 5, 6, ah oui, mais avec troll, il peut rien faire. Faut quand même que je mette les deux dans TF. Non, tu peux mettre que. Non, parce qu'avec la 1 et la 1-3, il va pouvoir double bloc. Ouais, ouais. Well, well, well. Et tu peux piocher avec Enclave, du coup? Je crois pas que je vais le faire pour l'instant. Mais tu peux piocher et jouer ton Gargarotte.
Il y a un de veto de devine, donc. Mon Gargaroth? Et où mon Gargaroth? Au-dessus du deck. Ah, mais tu veux pas plutôt. Ah oui, parce Ah, il y a que un vu veto de qu'il a un devine, donc. veto. Bon, de toute façon, les ne le tue pas, donc je peux le faire Ah non, tu en. peux pas en clair, pardon. Il a un Narset. Ah. Donc donne-lui un assaut sur ton veto. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Je lui ai donné 8, celui du 9. Et cimetière. tu peux pas. Ah, je peux pas? Donc un mana parce qu'il a top deck un anti-bête qui a cassé ton mana. Non mais Non mais gros, c'est gros, non trop. mais c'est Non ouf. mais la chatte, là vraiment, Franchement c'est zéro ouf. sel, hein. Juste c'est que de la chatte. Enfin, l'enchaînement. Faut Il que a je lui encore fasse. combien de cartes? Faut que je lui fasse tomber son veto. Vas-y. Hein. Combien de cartes en bibliothèque? 33. 33, ouais, donc il a de quoi piocher encore des landes de la caille. Hein. Exceptionnel. Je suis outrecuidé. Je suis abasourdi. Mignon. Ah ouais. Et là, ça remonte, hein. Fais pas moins un. Ça remonte sans cesse, quoi. Ben, on est mort, ton prochain, donc au moins ça va vite. Comment il a fait pour enchaîner comme ça? Ben, il y a eu beaucoup de chat. Non, mais gros, c'est ouf. Oufissime. Tu commences à perdre Et patience. il y a Game 3, je te dis. Hein. Ah ben non, en fait c'était bon. J'avais pas compté la draw de Tef, mais du coup il one shot Yura. Il nous laisse un tour de plus. Repère de lead jamais. Hein. Non, plus jamais. Bah, il avait l'antibat, quoi. Je pense qu'on peut passer en Game 3. Ouais, Gargaroth, ça te bloque ça. Il peut le tuck, bourré, ouais. Oh, je suis au fond. Gros, c'est incroyable. Quel con. Incroyable. Bon, au moins, c'est une belle remontada. Pour C'est pas lui, là, adversaire, hein, il mais. a vécu un beau moment. Il est content, ouais. Et Mais ouais. nous, on n'est pas content. Ce qui fait toujours très chaud. Pas le droit d'être salé, c'est bon. Il fait faim. Il fait Il fait faim, et genre là, je suis, quoi. on pensait gagner, on t'a eu wide control en vidéo. On a le Ah, droit c'est d'être déçu. insupportable. Personne joue wide control en plus. C'est rare, hein? C'est rare. Bon, pas personne, j'en ai rencontré quelques-uns en expo, Peu. mais. Pas le deck le plus représenté parce que les games sont longues, à l'instar de celle-là. Ouais. Peut-on gagner? Oui, large. Bah, on était pas loin. On a gagné la 1, on était pas loin de gagner la 2. Mais le truc, c'est que nous, des fois, enfin, genre, une draw sur 3 environ, on pioche une forêt. Et lui, une draw sur 15, il pioche un land. Est-ce qu'il y a un moment où on aurait pu clore cette game et on a billevesé? Certainement. À quel moment? Quel Mais est ce dans moment? tous les cas, il a quand même enchaîné les bonnes draws. Ouais. Bah pas un land quoi. Il lui fallait pile cette succession de land de draw là quoi. On a Cette toujours succession de drôles. notre Gargaroth qui sert à rien dans le match-up quoi. Oh, ça va. Bon, je préfère avoir Nissa ou Ah, Cavalier, je c'est clair. pense. Cavalier, je sais pas. Hein. Bon, ça naturellement Ça te ça trouve avance juste un quoi. land alors qu'Ancêtre, ça peut faire des dingues, quoi. Ouais. Mais disons que sur interaction, ça se rembourse un peu quoi. Ouais. Allez, Cloud, s'il te plaît, la game est assez longue. J'ai déjà perdu assez de liquide de corps. C'est vrai que le liquide de corps là il est bien usé quoi. Ouais, on a bien plus du tout. Ça arrive d'être tapé, Tu ça. peux jouer ça, Ok. sur cataracte. Pourquoi sur cataracte? Non, c'est mieux si tu Qu'elle est l'es pas. indestructible. Bon, après lui, franchement, s'il me pète des landes. C'est un Parce que salaud. franchement, Ouais. le basique là, avec Field of Ruin, il peut pas l'avoir. Je serais fort étonné. Land piétinaire. Piétinaire topieur. Ça pourrait arriver des tapes le lendemain. Le pain serait pas mangé. Hein. Bon, après c'est quand même une 4-4. Hein. Ouais, mais pendant X temps, c'est rien quoi. Oui, elle peut ni attaquer ni bloquer en fait. Donc, Tu elle fais pourrait être rien. T'avais 30-30, on s'en acheté fait fout. une druidesse là, on était là, on était bien. On était fou. Fougueux. Jeune. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, prochain tour, tu peux pas attaquer avec ton piétineur. Non, mais je peux Gargaroth avec Et tu Jory peux Up. Kakarot. On va Gargaroth bien sec. Il va bien prendre son Gargaroth là. On va Hold bien your prendre Vras. prowess. Bon, il fout le tap, hein, donc. Oui. Donc t'y vas. Donc, t'y vite. Allez, juste pas une race. Il nous en a pas montré. Il nous a montré des adieux, mais il nous a pas montré des Shatter the Sky. Oula, le petit land blanc, il pue. Vrai que pas de vingt à quatre. Il nous en a pas montré. Mais ça veut pas dire qu'il en a pas.
T'as les proutes, Narset. 3, 4, 5. Non, ça proute jamais. Dans son deck, c'est difficile de prouter, quoi. Faudrait qu'il ait 4 landes. Ouais, en plus, il a combien? Il a 8 landes en tout dans le deck. C'est vrai. Donc, hein. Vu qu'il a déjà 4 là, 1 au cimetière, donc ça ne peut pas prouter. C'est impossible. S'il peut avoir les 3 landes et la charrieuse. Les 3 landes restants et la charrieuse. Ah oui, juste Et il proute, du coup. La cloque, il en est où? 12 ou 13. 13. 12-13. On l'aura pas comme ça. Oh, bah tu sais, c'est pas dit. Hein. Quoique, ouais. Ah ouais, hein. Allez, chef. C'est d'une lenteur, Cloud, c'est à se taper la tête par terre. Il doit discard. Ouais. C'est-à-dire qu'il a pas trouvé son land, le Pouletto. Il n'a pas joué Questeuse. Donc il pouvait. Tanton. Ah ouais. Hein. Gravé. Dac. Ah, putain, mais du coup, je peux pas piétiner, je perds mon. En vrai, on s'en fout. Hein. Oh oui, on mélange. Ok. Ah, mais tu pouvais. Ah merde. En fait, il fallait piétiner avant parce que tu pouvais attaquer avec piétiner aussi. C'est ton 7ème land. Ah putain, bah ouais. Et merde. J'y ai pensé, je l'avais pas dit. On a dodge. Ne mets pas, hein. Tu peux regarder pour Cromlech. Ça sert à rien, t'as plein de. Après, Cromlech, il est loin. Cromlech, il est même pas dans le deck. Ouais, mais hein, il y a 4 cartes. Et là, t'as 2 4-4 déjà, vigilance. Enfin, il faut qu'il gère, sinon. Il se fait bourre. Bon, on pioche les bonnes cartes de notre deck, là, dis donc. Ouais, excellente carte, Yugi. Je mets les deux dedans. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'il peut faire un token. Avec. C'est vrai que ça piétine pas. Ça pourrait bien. Aussi, hein. L'image porte à confusion, quand même. Ça a l'air de piétiner. Moi, c'est quoi son nom? C'est un piétineur? Ouais. C'est trop. C'est une erreur, là. Je pense. La trad, genre. Bon, on fait mieux. Après, est-ce qu'il s'appelle Stomping quelque chose en français? Le Stomping Taupierre. Non. Je ne sais pas comment il s'appelle. Taupierre et Stomper. C'est chiant, E-White. On devrait enlever ses couleurs. Non, moi j'aime bien les affronter quand je joue du noir. Avec de la défausse. Ouais. Ou du bleu. Quand tu joues pas monocolore en fait. Et des contre. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en vrai, notre deck il est bien positionné contre le sien. Hein, puisque la plupart de nos draws sont des cartes exceptionnelles. Sauf quand nos draws c'est les 8 cartes d'early game qu'on a. Le bas du panier. Ouais. Mais en moyenne, c'est difficile pour lui de gérer la résilience de mono vert, quoi. Mm. Ouais, une questeuse. Ah, mais il joue plein de landes en vrai. Ouais, ouais. Il a juste été très bon à la game d'avant, mais ça c'est pas la première fois. Que nos oppos sont particulièrement puissants. Ok, c'est nul. Kura, ça fera quelque chose un jour. Oula, mais il est aux abois comme ça? Bizarre. Ok, un petit Kura, hein, tranquille. Bizarre, bizarre. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Hein. Blizzard. C'est un complot? Tu peux faire un loup en camp rituel? Ouais. C'est la merde. C'est pas ce qu'on lui demande à la base. Oh, ça c'est sympa. Oh, bah, une petite pioche. On en avait. Allez, allez. Quoique j'ai pas encore casté des cartes, hein, donc. Non, tu peux plus. Pourquoi? Ah, on est en fin de tour là? Ah oui, d'accord. Je crois qu'il avait fait une phase 2. Ah, il a été bon. Ok. C'est très redondant tout ça. J'ai déjà vu c'est quelque part. Je connais aussi, ouais. Je connais aussi. Il va détaper ça et ça. Il aura 3, 4, 5, 6, 7, 8 mana. Donc il a une 6-6 théoriquement. Donc on peut plus attaquer avec piétineur taupière. Et non. Ça commençait si bien cette vidéo et on se liquéfie. Ouais, bah en fait c'est très long. On est à bout. Et genre le match-up il est insupportable quoi. À faire. On aurait dû le finir. Putain, j'en peux. Yes. On aurait dû le finir tant qu'il en était encore temps. Si tu veux passer Karn, il faut attaquer avec les piétineurs. Si tu veux tuer, enfin essayer de tuer Teferi, faut jouer Karn maintenant. Moi je mettrais Karn maintenant. Bah les couilles. Ouais, il est pas obligé d'avoir son refus. Il y a 4 cartes en main. Bah ouais, mais c'est pas une obligation.
Et on va pouvoir tuer ce Teferi, c'est une bonne. Non, mais on passe à un. Ouais, mais je veux dire, si il chump, il perd son Ouais. il perd son requin, quoi. Il a pas de value trade. Et il peut le double protéger, hein. Et ok. Je crois qu'il va pas le faire. Il Il le sait fait qu'il a pas. un énorme requin. Il va d'ailleurs le hardcast, à mon avis. Ouais, il va sûrement le faire tout prochain. Voilà, tu peux poser ce truc, je pense. Ouais, mais gros, c'est scandaleux, non? Au bout d'un moment, il n'y en a plus. Ah, mais au bout d'un moment, on sera mort. Oui. Oui. Je voulais être sûr. C'est cela, oui. Ça sera, oui. Mais ouais, hein. Ardo Casto. Comment on bat ça sans notre Boseiju? Tac, il a 3, 4, 5, 6, 7, il a 8 mana. Donc il peut faire un 7-7 en piochant 2 cartes parmi 7. Mais on peut tuer Tef. Ah. On peut tuer Teff s'il décide de caster ça, mais on sait pas ce qu'il y a là, quoi. On va quand même tenter, hein, cela dit. Hein. Ouais, tente la Nissan. Et là, il a un petit refus tranquillou. Comme ça, là. Une 4-4. Non, mais on bat. En fait, on bat plus jamais ça, je pense. C'est dur. Ouais. C'est très dur. Bah, avec un Teferi qui tourne, en tout cas. Et tout devine. Ouais, je pense qu'on va Je y nous aller. épargne ça. Bravo, Cloud. Oh, quel dommage. Ah, je suis Le bon chafouin. deck qui prend deux défaites. Je suis trop chafouin. Ah, je suis deg. Ouais, pareil. Bon, en Franchement. vrai, on se rappellera qu'on a gagné les deux games, en vrai. Non, mais la première, on doit la perdre. Le match-up est pas forcément très bon. Ça va. Mais là, contre Rewild, gros, on devait porter le coup fatal. On n'a pas réussi, quoi. Après, les gens sont témoins que des Genre, on cartes a actives. embroché le serpent, gros. Et on lui a pas coupé la tête, quoi. Parce que lui, pioche que des cartes actives On bonnes était à la ivre de 2. plaisir, gros. Et on a arrêté de réfléchir. À la 3, on pioche des elfes et des elfes et des elfes et des forêts et des elfes. Elles font rien, quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop les decks francs comme ça, parce que t'as vraiment de la caille, Non quoi. mais franchement, t'as 8K, gros, c'est tout. Eh ouais, mais tu les as quand même, hein, plus les landes. Ouais, mais Les landes aussi, c'est un t'es peu pas de la obligé de caille, toucher quoi. ta caille, tu vois. Non. Mais je dis pas que c'est mauvais, mais genre j'ai du mal à les jouer parce que. Merci, Ah, c'est pas lui. c'est pas le bon deck. Lui, il est bon, lui, tu vois. Pas de caille là-dedans. Dans l'overramp. Ah, je suis trop déçu. Mais T'as ça aussi, t'as 12 cailles. au moins, il y a eu du bon paquet, quoi. En vrai, il Ouais, faut mais bon. vraiment toucher ça. Hein. Ça, c'est pas Ouais, ouf, mais quoi. c'est pas dur sur 20 cartes de voir au moins 2-3 exemplaires de ton late Ah, je game, suis quoi. d'accord. Mais bon, après, avec les contres et tout, c'est compliqué à dos. C'est la fin de cette vidéo qui a duré 6000 ans. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la On l'a description. essayé. Twitter, Twitch, Facebook. Twitter, Facebook, Discord et Twitter et Twitch. Bah, mais bon. Voilà, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.